Votre maman, c'était pas quelqu'un qu'on oublie. Ça va faire 30 ans demain. Hein, maman? T'as jamais pensé que on nous avait peut-être pas tout raconté? C'est-à-dire? Sur la mort de maman. Margot, tu dois voir à ton père? Salut. Des fois, ça fait du bien de se retrouver seule. Je suis sûre que ça va t'aider. Comme t'as pas tes fiches, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se faire un petit week-end entre frères et sœurs. Où est-ce que je vous emmène, mademoiselle? À Noirmoutier, monsieur. C'était là qu'on a retrouvé son corps sur la plage? Ah non, mais c'est pas là qu'on a retrouvé votre maman. C'était de l'autre côté de la baie. J'aimerais savoir quoi? Bah, je sais pas, des trucs sur maman. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller inquiéter ta grand-mère? Tu sais que c'est un sujet qui la remue. Avec quel âge? J'avais 10 ans. Ça me touche que tu t'intéresses à moi comme ça. Ma sœur dit que je suis parano. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère le 29 août 1984? Que tu t'interroges sur cette noyade 30 ans après, c'est légitime. Mais là, ça devient carrément délirant, Antoine. Je suis désolé de vous donner autant de soucis, pardon. On se parle pas, on se parle pas. J'en peux plus de moi, toutes ces histoires. Ça m'empêche d'avancer. Et pourquoi c'est si tabou dans votre famille? Il doit y avoir une raison. Mes parents veulent me faire passer pour un dingue alors que vous mentez depuis 30 ans. T'es au courant? Toutes ces choses qu'on garde pour soi, un jour ça se paye. Mais avec le temps, ça vous coupe des autres.